élections avaient lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? Le président reste en tête avec 45% des intentions de vote. On voit que Martin Fayoulou perd plus ou moins 4 points. Il passe de 17% à 13% d'intention de vote. Et Moïse Katumbi passe de 13% à 6% d'intention de vote après le remaniement. Et le grand gagnant, c'est indéniablement Jean-Pierre Bemba, qui passe de 1% à 9%. On a posé cette question de manière très claire. Quelle est pour vous la priorité des priorités que ce nouveau gouvernement devait avoir? Donc, une seule réponse était valable. Alors, arrive en tête la sécurité à l'est du pays, avec 73%. Arrive en seconde position la consolidation de la gratuité de l'enseignement des bases, avec 71%. Et arrive en troisième position le développement des 145 territoires. Sur les personnalités qui sont entrées au gouvernement, les nouvelles personnalités, Jean-Pierre Bemba passe de 35% à 52% avant et après le remaniement. Même Eva Izebaïba qui se maintient, elle passe de 37% à 47%, un bond de 10 points. Vital Kamerhe passe de 30% d'opinion favorable à 48%, il fait un bond de 18 points. Christophe Moutouloula, qui s'est maintenu, qui est resté au gouvernement, il passe de 31% à 43%.